Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vieillit, et moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni gris. Alors monsieur, madame, alors que dire sur cette chanson? Bien à la base ça devait pas être une chanson, c'était juste une complainte. Un soir où j'étais tourmentée, où j'en avais vraiment marre, j'en avais ras-le-bol, j'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon et j'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais. Et ensuite, je me suis rendu compte par la suite que je ne relisais pas normalement cette complainte. En fait, je la chantonnais. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré la mélodie. Et c'est de là qu'a commencé l'histoire de Monsieur Madame en tant que chanson. Parce que de là, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu ajouter un piano, ensuite des harmonies, ensuite une orchestration, parce que j'avais envie vraiment, j'avais cette volonté d'aller au bout de ce projet pour voir où ça pouvait me mener. Et une fois que c'était terminé, je l'aimais beaucoup, j'écoutais beaucoup Monsieur Madame, et donc elle m'apportait énormément aussi. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je la sors publiquement, est-ce que je la mets sur l'album ou pas? Et j'en suis très vite venue à la conclusion que c'était un peu de l'égoïsme que de la garder uniquement pour moi. Parce que voilà, je me suis dit, si elle me plaît énormément, je pense qu'elle pourrait plaire aussi à ma communauté. Donc vas-y quoi, lance-toi, sors-la. J'avais juste hyper peur, en fait, j'avais juste peur que les gens ne m'apprécient pas du tout en français. Et enfin ma voix, voilà, ma sonorité de mon son de voix en français, j'avais un peu peur que les gens l'aiment pas du tout. Et au final, voilà, je suis super contente des retours de Monsieur Madame, de l'engouement, des commentaires que je lis, des messages que je reçois, voilà. Cette chanson a l'air d'aider pas mal de gens et voilà, moi ça me fait plaisir parce que c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour la partager et pour faire ressentir des émotions à mon public. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur Monsieur Madame.